J'espère que vous allez bien. C'est pas trop le moral pour moi aujourd'hui, mais il y a toujours des hauts, des bas comme ça, c'est normal, on est tous un peu pareil. Je me pose beaucoup de questions en fait sur ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de montrer, vers quelle orientation je donne justement à ce que je fais. C'est pas difficile pour la partie créative parce que ça c'est quelque chose qui vient naturellement, comme par exemple l'envie de créer des jeux, c'est quelque chose qui m'a toujours porté, qui m'a toujours nourri, c'est quelque chose qui ne perd pas de sens pour moi. Ça a une très grande importance pour moi de créer des jeux, de partager à travers mes illustrations, à travers mes écrits aussi, ce qu'il y a au fond de moi. Donc ça, c'est mon mode d'expression. C'est plus partager autour de ça, partager sur les réseaux sociaux. Je vois qu'il y a des choses avec lesquelles je suis plus du tout d'accord, plus du tout en osmose, et du coup, je me noie un petit peu dans la jungle des réseaux sociaux. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que la spiritualité, le développement personnel ont pris un tournant depuis certaines années avec lesquelles je ne suis pas vraiment tout à fait sûre d'être en adéquation. Il y a des choses qui demeurent intactes, bien sûr, mais il y en a d'autres pour lesquelles ça ne me parle pas, ça ne me parle plus, et voire pire, ça me rebute, quoi. Et très souvent, comme sur les réseaux, c'est du très rapide, surtout sur certains réseaux, comme sur TikTok ou sur Instagram, où c'est quand même, on a une minute trente pour partager quelque chose. Ça peut être pour moi, je m'y retrouve pas forcément sur certains trucs, sur certaines notions. Pour vous donner un exemple typique. Ce matin, je voyais un jeu de cartes sur McDo, Astro McDo, ça s'appelait comme ça, Astro McDo. Bon, bah autant vous dire que c'est quelque chose qui me parle pas du tout, quoi. Alors, mieux vaut en rire, parce que ça sert à rien non plus de se faire des nœuds dans le cerveau. Chacun voit midi à sa porte, mais pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui matche pas avec mes convictions, et j'ai l'impression de voir un petit peu que ça, quoi. Des choses un peu pré-mâchées, de vouloir mettre toujours... j'ai l'impression qu'en fait, ça va d'un excès à l'autre. On est soit dans un excès de pensée rationnelle, soit dans un excès de spiritualité et intuition, et tout d'un coup, suivant les personnes aussi avec qui on parle, soit tout doit s'expliquer de façon rationnelle, soit tout doit s'expliquer de façon intuitive. Du style, aujourd'hui j'ai mal au dos. La personne rationnelle va tout de suite t'expliquer par A plus B que ta colonne vertébrale elle est faite de telle façon, que si t'as porté tel objet, que t'as fait ci, que t'as fait ça, bah forcément aujourd'hui t'as mal au dos. Et la personne que aujourd'hui on appelle connectée, je mets des guillemets parce que c'est, pour moi c'est pas ça en fait, va te dire que bah, si t'as mal au dos, c'est parce qu'en ce moment tu portes une surcharge émotionnelle, etc. Alors que si ça se trouve, en fait, juste hier, j'ai aidé Paul à déménager, et du coup, bah, forcément, aujourd'hui, j'ai un petit peu mal au dos, et en fait, j'ai pas de surcharge émotionnelle, j'ai pas de problème de dos non plus, simplement, j'ai dû faire un faux mouvement, et dans 3 jours, ça va passer, ou alors, il faudrait que j'aille faire 2 séances de kiné ou d'ostéo, et puis voilà, quoi. Ce trop, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a jamais convenu. Alors, j'ai tendance à être souvent trop dans l'émotion. Je vis les choses pleinement. Quand j'essaie de découvrir quelque chose, je le fais à fond. Mais il y a toujours ce début, en fait, où on est toujours trop dans les choses. Et ensuite, et moi, j'en suis plus là du tout. Et ensuite, ben, on s'aperçoit que la vie, c'est pas ça, quoi. C'est pas toujours... Il y a des choses qui s'expliquent pas. Donc il y a des choses qui sont très intuitives, qui sont très émotionnelles. Et il y a des choses qui vont s'expliquer aussi de façon très concrète et très rationnelle, quoi. Et c'est toujours cet équilibre, en fait, qu'il faut trouver. Et depuis 2-3 ans, moi, je trouve qu'on est complètement parti dans un déséquilibre. Et puis il y a cette...
ce côté aussi à vouloir faire un peu du prémâché, de l'instantané, qui me parle moins, parce que on en oublie un peu la quête de recherche, d'aller la magie en fait du cheminement. Je crois que c'est ça. C'est le fait d'avoir oublié un peu la magie du cheminement que je trouve moi si intéressante. Je me souviens quand j'étais petite qu'il n'y avait pas énormément de livres sur le sujet du développement personnel, ou petite, j'entends que j'ai à 15 ans, quoi. Et que j'allais découvrir dans les rayons ésotériques ou parler à des personnes justement de ça et échanger sur ce sujet-là. C'est là que j'ai vécu les plus beaux moments en fait de mon expérience et de mon cheminement. Ce moment où j'ai compris certaines choses, où j'ai lu certaines choses qui m'ont vraiment parlé. Mais les informations étaient plus triées en fait qu'actuellement. Je sais pas si je suis tout à fait claire, parce que moi-même je suis un petit peu dans cette démarche et dans cette quête de me reconnecter à ma magie. J'ai l'impression d'avoir un peu perdu. Et puis je me rends compte vraiment que les moments les plus beaux, que les moments les plus inspirants, ce sont des petites choses de la vie qui arrivent comme ça sans crier gare, et que justement on arrive à toucher du doigt. Avant-hier, il s'est mis à neiger et ça m'a ravivé quelque chose à l'intérieur de moi, cette magie. Je me rends compte que ce qui me fait vibrer aussi, c'est la magie au quotidien. Toutes les petites choses, les petites graines, de pas forcément toujours vouloir tout complexifier. Je vous parlais sur Instagram, je vous ai fait un petit post sur la purification à travers l'air. Et en fait, c'est aussi simple que d'ouvrir une fenêtre le matin et d'aérer sa chambre. Purifier ses objets, ça peut être exactement ça, mettre son jeu ou un objet qu'on souhaite purifier dans un courant d'air, ou souffler dessus simplement. C'est quelque chose qui va le purifier. On n'a pas besoin de sortir la sauge, on n'a pas besoin de sortir tout un tas de trucs. On n'a pas besoin d'être dans l'excès, en fait, je trouve. Oui, l'excès, il y a ce côté, on a l'impression de faire quelque chose, de faire un rituel, on a l'impression que c'est plus puissant. Mais moi, je pense que bon, ça c'est dans notre tête. C'est dans notre tête. Alors, il y a la force de l'intuition, donc si c'est dans notre tête, pourquoi pas, ça marchera peut-être mieux pour vous. Mais moi, je commence à avoir du mal, je commence vraiment à avoir du mal avec tout ça. Un autre exemple. Je voyais justement sur un podcast, non, c'était pas un podcast puisque c'était en vidéo, une personne qui faisait des interviews tous les jours d'auteurs, de personnes dans le monde du milieu ésotérique. Et la première chose qu'elle faisait en allumant sa vidéo, donc devant les téléspectateurs, c'était d'allumer un bateau de Palo Santo. Donc elle était dans une petite pièce fermée, elle allumait son bateau de Palo Santo. Au début de chaque interview, tous les jours. Et en fait, c'est pour le show. En fait, on fait des trucs spirituels pour le show, pour montrer qu'on fait quelque chose de spirituel. Et ça me dérange en fait profondément, parce que déjà, c'est dangereux pour la santé. Ne faites jamais ça. Si vous faites brûler de l'encens, du Palo Santo ou de la sauge, il y a des conditions à respecter. Il faut ouvrir une fenêtre parce que ça peut être toxique. La sauge, jamais pour les enfants et les femmes enceintes, parce que c'est toxique, la sauge pour vous dans ces cas-là. On ouvre toujours sa fenêtre parce qu'on a un brassage justement des énergies qui doit se faire, et on a un renouvellement d'air qui doit se faire en fait. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez purifier une pièce et que vous fermez les fenêtres, vous allez simplement rajouter par-dessus, en fait, dans votre environnement, de la fumée. Ça ne va pas se dissiper comme ça. Il faut toujours, toujours ouvrir les fenêtres, non seulement pour votre santé, mais aussi d'un point de vue énergétique, pour laisser le flux d'énergie partir. En fait, c'est du bon sens. Et je crois que j'ai vraiment. Et puis le Palo Santo, c'est une plante qui est sacrée, c'est un arbre qui est sacré. Il n'y en a pas énormément non plus, on fait attention, ce sont des ressources de la nature, on ne les utilise pas. Si on a vraiment ce côté spirituel, on ne les utilise pas pour faire le show. Et j'ai vraiment du mal en fait avec cette spiritualité qui est là pour le consumérisme et pour faire le show. Voilà.
Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel je me reconnais pas, et quand je vous ouvre mon cœur, je peux pas ne pas en parler. De toute façon, c'est quelque chose, c'est une ligne de conduite à laquelle je me suis toujours fixé ça quand je vous présente des jeux, quand je vous présente des livres. C'est toujours quelque chose avec lequel moi je suis en adéquation avec ce qu'il y a dedans, ce qui est écrit dedans. Ça m'est arrivé un jour de vous présenter en live un jeu sur lequel j'étais absolument pas d'accord au niveau des écrits. Vous savez, c'était celui qui disait que les animaux étaient inférieurs aux humains, enfin des trucs comme ça. Moi, j'ai pas pu, en fait, j'ai pas pu. Je vous l'ai dit en plein live, je me suis dit, mais non, je suis désolée, j'arrête là. J'arrête là, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit ce monsieur, quoi. Et je veux me montrer honnête. Vraiment, je veux me montrer honnête. J'aime pas ce côté-là. Et tant pis si je me fais critiquer. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, je suppose que si vous me suivez, c'est que on est sur la même longueur d'onde aussi. Personne ne vous oblige à me suivre. Mais tout ça, en fait, moi, ça me travaille beaucoup et ça me recadre un peu dans la position dans laquelle je veux être. Qu'est-ce que je veux partager? Et plus ça va, plus je vois que ce sont des petites choses de la vie. Je voudrais vraiment partager cette petite magie au quotidien, trouver son bonheur dans les petites choses en fait du quotidien. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément, qui me parle beaucoup plus en fait que vous faire le show, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, rien que de vous parler, en fait, j'étais un peu dans le brouillard, dans le flux, je savais pas exactement ce qui me perturbait quand j'ai vu cette vidéo-là. Et vous voyez, de vous l'exprimer, ça me permet aussi de mettre le doigt dessus. Et de me recadrer, c'est important, je trouve, comme ça, de pouvoir partager sur nos interrogations, parce que ça permet d'exprimer à voix haute, de toucher du doigt des fois des choses qui inconsciemment sont là, qui nous titillent, on n'arrive pas à savoir pourquoi en fait. Donc voilà, que fais-je? Où suis-je? Qui suis-je? Pourquoi j'erre ici? On en est tous là, vous voyez. Et pourtant, des fois, on arrive à trouver une voie. C'est pour ça, souvent, je vous parle du chemin de vie et je vous dis qu'on a plusieurs chemins de vie. Dans le sens où en fait il y a peut-être une grande ligne directrice, mais il y a tellement de façons de la vivre et d'y accéder, suivant en plus les moments de votre vie, qu'il ne faut pas rester toujours braqué sur moi je suis faite pour tel métier, je vais rester toute ma vie dans telle activité, ou je dois faire ça et pas autre chose. C'est excessivement rare en fait d'avoir ça. Par exemple, une ligne de vie qui va être basée sur la créativité, c'est quelque chose, voilà, on sait qu'on est quelqu'un de créatif, on sait qu'il faut mettre de la créativité dans notre vie, mais ça ne veut pas forcément dire que ça passe toujours par l'aquarelle, par exemple. Ça peut passer un jour par le dessin, par la peinture, par l'écriture. Vous voyez, il y a tellement de choses en fait pour nourrir cette créativité, pour apporter notre vision créative au monde, que je pense que c'est important de ne pas se figer. Mais dès qu'on commence à remettre en cause ça, bah forcément on est dans une sorte un peu de mal-être parce qu'on se cherche et c'est jamais agréable d'être dans cette posture-là. Donc on est dans la posture où bah, on est instable, on se cherche, on est le deux de denier, vous savez, avec ces deux deniers comme ça, et on est un peu en équilibre à dire droite à gauche, l'un équilibre l'autre, qu'est-ce que je fais? Et j'essaie de jongler un petit peu avec tout ça. On essaie toujours, hein. On a tellement de rôles dans notre vie, avoir tellement de casquettes en fait, tous les jours à changer sans arrêt. Il est 8h30, je suis la casquette de l'entrepreneuse. Il est 11h, je suis la maman qui fait à manger pour ses enfants. Il est 16h, je deviens maîtresse d'école à faire les devoirs. Il est 18h, je reprends ma casquette d'entrepreneuse pour répondre à quelques mails. Et puis vous aussi dans votre quotidien, vous avez, puis on est des amis, on est des enfants, on est les enfants de nos parents, on est les parents de nos enfants, on est beaucoup de choses, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver et d'arriver à jongler avec tout ça et de savoir où trouver son équilibre, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, comment on a envie de vivre notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de partager, comment on a envie de le partager. Toutes ces questions trouveront-elles une réponse à la fin de ce vlog? Écoutez, je ne sais pas, mais moi, d'avoir pu vous en parler, ça m'a permis aussi de mettre le doigt dessus.
Sur ce, eh bien, je vais remettre ma casquette d'entrepreneuse et je vais envoyer quelques mails à ma comptable puisque j'ai fait un changement de domiciliation et un changement de nom pour revenir justement à l'entreprise à mon nom au lieu de Wild. Vous savez, on en a déjà parlé dans un précédent vlog et du coup, s'en est suivi tout un tas de tâches administratives fort sympathiques. Que je vais m'empresser de faire, mais je vais le faire avec un petit café, prendre le temps de tout ça, et je vous retrouve à la suite avec des images, une collaboration que j'ai fait avec ma sœur qui a un site internet. Alors, ma sœur s'appelle Alexandra Mélesville, évidemment, et du coup, elle a repris ses initiales A et ME pour Mélesville. Du coup, elle a créé depuis un an une entreprise de bijoux. Elle a toujours beaucoup travaillé en fait dans l'univers de la mode. Elle a travaillé pour des grandes marques et elle est passionnée depuis toujours par les bijoux. Ma sœur, c'est une grande créatrice qui n'osait pas créer, je pense, et qui s'est lancée là il y a un an dans la création vraiment de sa propre marque et de ses bijoux. Et on a travaillé ensemble sur une petite collaboration autour du thème des malas. Je vous montre tout ça autour de mes jeux aussi. Et c'était tellement, tellement chouette de pouvoir travailler avec elle, de pouvoir vous montrer ce qu'elle fait, que ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, je vous mets la référence juste en dessous de son site pour que vous puissiez aller voir. Et on a créé ensemble 5 malas sur le thème du Lily Black et 5 malas sur le thème du Lily White. Le Lily Black, c'est un mala autour des pierres qui vont réunir des pierres de malachite. On a de la malachite. Alors, je vous mettrai tout ça juste en dessous en barre d'infos. Et on a travaillé sur le thème de la confiance en soi. Et avec le Lily White, évidemment, on a travaillé sur le thème du bonheur, de la joie. Voilà, puisque c'est un jeu qui est très joyeux, très coloré. Donc, je vous montre tout ça, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait, je vous partage ces quelques images, et puis à la fin de cette vidéo, je vous montrerai justement les malas qu'elle a créés, qui sont donc en édition ultra limitée, puisqu'en fait, il n'y en a que un de chaque, donc il y a 10 malas au total. Et puis, je vous mets le lien juste en dessous en barre d'infos si ça vous intéresse pour aller découvrir. Voilà. Ah, on fait le point avec les jeux. Ok. On a les notes. Inspirant et intéressant. Donc là, on regardait par rapport au jeu, les couleurs. Mais c'est vrai que pour de vrai, en fait, ces couleurs-là, elles se marient vraiment bien avec le jeu, quoi. Elles correspondent bien à l'idée de ton Lily White, hein, et ouais. Aux associations de pierre par rapport au message de ton. Même celui-là, il est très message. Bien aussi. Hein. Parce que la forme du Bouddha, le Bouddha en tant que tel, rien à voir avec le Lily White, s'il n'est pas du tout inspiré. Ça, c'est toi après. Il n'est pas du bien tout tes jeux inspiré et asiatique, dis, quoi. ouais. Moi, je. Avec Alex, on a travaillé sur toute une panelle en fait, de pierres, de jeux. Et c'était très intéressant en fait, de voir. De se replonger dans l'énergie de chaque jeu, de voir un petit peu qu'est-ce qui ressortait le plus de l'ambiance des jeux. Et elle a fait tout ce travail-là aussi de conjuguer cette énergie avec les différentes pierres qu'on allait vous proposer pour les malas. Donc pour, par exemple, ici, le Lily White, on a vraiment travaillé sur le thème de la joie, le thème du bonheur, puisque c'est un jeu qui est très coloré. C'est un jeu qui en même temps est très doux aussi avec ce travail à l'aquarelle et à l'encre. Et puis sur le thème du Lily Black, on a vraiment cette idée aussi de
connaissance de soi, de confiance en soi qui est présente. Donc, associer les pierres aussi à ce thème de la confiance en soi. Voilà, c'était vraiment une jolie collaboration. Ça nous a beaucoup plu. Bah déjà, c'est la première fois qu'on travaillait entre sœurs sur un projet commun. Et puis, de voir ce que ça pouvait donner. Moi, de mon côté aussi, de voir ce que d'autres personnes que moi ressentaient à travers mes jeux. Quelle énergie vous ressentez quand vous travaillez avec le Lily White, avec le Lily Black, Alex qui bien sûr connaît mes jeux et les a déjà plusieurs fois eu en main, a travaillé déjà un petit peu avec, de voir aussi ce qu'elle ressentait. Donc c'était très chouette. On a fait plusieurs compositions, on a aussi un petit peu travaillé sur l'énergie du Sweet Ladies, de l'oracle des reflets. Mais dans un premier temps, on voulait déjà vous proposer juste ces cinq petits malas autour du Lily White, du Lily Black, voir si c'est quelque chose qui allait vous plaire. Et puis voilà. En tout cas, c'était vraiment chouette. Je vais vous mettre des photos puisque à l'heure où je vous parle, on vient tout juste de sortir la collection. Donc je vais vous mettre justement les photos en fait de ces créations à la suite de cette petite vidéo avec les liens juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir directement sur son site. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt pour d'autres vidéos.